Bonjour, bonjour les amis, c'est Sylvain Milon. Alors, je voulais vous faire une petite démonstration extrêmement courte sur la façon de créer et gérer vos webinaires avec la solution ATP Live. Donc, les webinaires, eh bien, c'est très bien pour booster votre chiffre d'affaires, pour booster votre MLM, pour booster vos systèmes d'affiliation. Et je vais vous montrer comment vous pouvez le faire, voilà, en trois clics de souris avec cette interface. Alors, cette interface, c'est ATP Live, c'est voilà, un service que j'ai créé. Je descends un petit peu dans la page, vous voyez l'URL, c'est très très simple, c'est atplive.com tout simplement. Alors, comment utiliser ce système? Eh bien, vous cliquez ici ou ici sur connexion, vous arrivez sur la page de connexion. Vous rentrez vos identifiants après avoir créé votre compte, vous faites connexion et voilà, vous arrivez sur l'interface donc où il y a différents renseignements. Alors voilà, je ne vais pas passer en revue toutes les fonctionnalités de ce système, mais on va aller directement, vous allez voir en trois clics, à la création d'un nouveau webinaire. Donc vous allez ici sur Webinaire ou ici sur Gérer Webinaire. Ensuite, eh bien, vous allez ici soit sur Créer un nouveau webinaire ou ici Créer un webinaire. On va le faire ici, Créer un nouveau webinaire. Vous mettez le nom de votre webinaire. Donc, on va mettre webinaire de test. Et puis ici, voici mon webinaire de test. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez choisir d'ajouter un chat lors de la diffusion de votre webinaire, d'activer ou non le replay, de définir une date pour votre webinaire, d'ajouter des présentateurs. Voilà, vous pouvez ajouter jusqu'à 9 présentateurs en plus de vous. Donc ce sont les gens qui vont animer le webinaire avec vous. Et puis, vous pouvez ajouter une image, une illustration pour votre webinaire. Donc voilà, nous on va remplir juste le titre, la description pour que ce soit le plus rapide possible. On fait enregistrer et créer le webinaire. Et voilà, votre webinaire est prêt, est créé et est prêt à être diffusé. Alors pour le diffuser, on fait comment? On clique ici sur Démarrer. On attend que la réponse du système Hangout, puisque tout ce système est basé sur le système gratuit Google Hangout, on fait créer le webinaire. Donc ici, vous avez l'URL de diffusion du webinaire à donner à vos spectateurs, l'URL de diffusion du replay que vous donnerez ensuite à vos spectateurs si vous voulez qu'ils voient le replay. Et vous avez ici en bas, je vais remonter un petit peu, voilà, l'URL à donner à vos invités, administrateurs comme vous du webinaire, donc pour qu'ils puissent intervenir dans le webinaire et parler ou diffuser du contenu avec vous. Donc on va faire simplement regarder et créer ce webinaire. Là, vous avez votre page Google Hangout qui s'ouvre. Vous faites OK. Alors peut-être qu'on va vous demander si c'est la première fois sur avec votre ordinateur et votre email Google que vous accédez à Hangout. À Hangout, on va vous demander peut-être de valider un ou deux trucs avant d'arriver sur cette page. Donc vous cliquez sur oui, j'autorise, voilà. Et une fois que vous êtes sur cette page, ensuite il n'y aura que cette page à s'afficher. Vous faites j'ai lu les conditions, OK. Voilà, je suis l'administrateur, il y a ma photo Google Plus qui s'affiche. Je fais participer au Hangout. Vous retrouvez le titre de votre webinaire, de votre Hangout, webinaire de test. Vous pouvez ajouter des noms ou adresses de personnes que vous désirez qu'ils reçoivent la notification de webinaire. Vous créez ici un Hangout en direct et c'est parti. Donc ici, vous avez l'application ATPE Live qui s'affiche sur le côté avec ici le système de gestion du chat. Et donc, eh bien, vous pouvez, voilà, une fois que le bouton vert est activé, lancer la diffusion en direct. Là, nous sommes hors antenne et vous pouvez discuter avec vos spectateurs. On va indiquer salut à tous. Et voilà, ça s'affiche dans la fenêtre de chat. Et bien sûr, vos spectateurs ont cette fenêtre de chat qui s'affiche à côté de leur vidéo, comme ici. On fait lancer la diffusion, diffusion publique, OK.
Alors, si vous faites... c'est pas là. Si vous faites diffusion publique, OK, voilà, ça démarre la diffusion de votre Hangout. Ce Hangout est en direct. Et donc, une fois que vous avez fait lancer la diffusion en direct, eh bien, votre live est automatiquement enregistré dans votre compte YouTube et dans votre profil Google+ pour être diffusé à vos spectateurs. Et donc voilà, là je suis en direct et donc je peux commencer mon webinaire, je peux partager mon écran si je le veux, voilà, j'ai différentes options et je continue à discuter avec mes spectateurs. Hop. Et eux peuvent discuter avec moi. Donc voilà, on va arrêter là pour la diffusion, la démonstration de ce système de webinaire en direct. Vous voyez, en trois clics à peu près, j'ai lancé la diffusion de mon webinaire sous Hangout. Alors vous voyez, c'est très très simple d'utiliser un TPE Live et en plus, c'est totalement gratuit. Allez, on se retrouve pour d'autres démonstrations dans une prochaine vidéo. À bientôt.